posséder les portes de l'année. Premier jour, thème, prendre les portes financières de l'année. Vendredi 17 janvier 2020, de 19h à 22h, au centre d'excellence d'engrais, près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Deuxième jour, thème, briser les esprits démoniaques qui contrôlent les portes de l'année. Samedi 18 janvier 2020, de 17h à 20h, au centre d'excellence d'engrais, près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Troisième jour, thème, ouvrir toutes les portes de bénédiction de l'année. Le dimanche 19 janvier 2020, de 15h à 21h, à l'arrêt de la Liberté, en gré souci. Prédicateur, Abba Chiapakomari, prophète Happy Gable, 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Entrée gratuite. Box des rites orientaux défensifs d'Afrique, en collaboration avec l'ONG Betsel, le ministère marial et prophétique des guéris de prière et le ministère famille des peuples organise la tournée internationale Théotokos avec Abba Chiapakomari. Thème. Mon cas est urgent. Mon cas est urgent. Mon cas est urgent. Mon cas est urgent. Europe Paris, du 24 au 30 janvier 2020. Espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93 130. Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, arrondissement de Bobigny. En bus, ligne 145 au départ des stations Église de Panta et Raymond Queneau à Panta, ligne 5 du métro. Ligne 105 au départ de la Porte des Lilas et de la ligne 11 du métro à la station Mairie des Lilas et du pavillon Sous-Bois. Ligne 301 au départ de la station Pablo Picasso à Bobigny. Ligne de métro 5 et ligne T1 et de la gare RER de Val-de-Fontenay, RERA. Ligne 322 au départ de la mairie de Montreuil. Ligne 9 du métro et de la station Pablo Picasso à Bobigny. Ligne 5 du métro, ligne T1. Ligne 343, au départ de la gare RER, La Courneuve, Aubervilliers. Ligne B et de la gare RER, Rosny-sous-Bois. Ligne E. Prédicateur, Abba, Achia Pakomari. Invités spéciaux, Monseigneur Charles-Marie et le chanteur Ismaël René Achia. Au programme, retrait des cas difficiles, du 24 au 26, consultation prophétique, du 27 au 29, exorcisme des familles, du 30 au 31. Infoline 01 31 51 06 02 11 9707. Avec une partie de notre équipe. Ce sera un temps de bénédiction. Connectez-vous, faites passer l'information. C'est une réalité. Abba Chiapakomari, je suis Paris, je suis. Je viens tout juste d'arriver à l'aéroport. Voici Charles de Gaulle, ça sera vraiment un temps important. Théotokos, mon mari, mon cas et Jean, tous ceux qui doutaient, tous ceux qui croyaient que cette retraite n'allait pas se tenir, c'est le moment de prendre vos trains, de prendre vos tickets de train, d'avion depuis Milan. Depuis l'Italie, depuis la Suisse, depuis l'Angleterre, depuis les autres régions de la France, depuis tous ces lieux, depuis même les États-Unis, le Canada, venez
pour expérimenter ce que la Tirtoukos peut faire par son intercession. Mon mari, mon cœur et Jean, nous sommes donc à l'aéroport de Wasicha, que nous venons tout juste d'atterrir. Je vous dis que ceci est une réalité. Nous sommes là pour terminer les préparatifs. Nous allons jouer en concert, nous allons jouer en orchestre, nous aurons un grand concert avec Ismaël René, Agabus, Achia, nous aurons toute l'équipe de guérir des prières au complet. C'est vraiment quelque chose qui va t'apporter la délivrance, la restauration, la bénédiction, l'orientation prophétique, la précision de ce que tu attends comme destinée de Dieu dans ta vie. Connectez-vous, partagez ce moment. Dites-le que depuis l'aéroport, je le bénis et je prie pour tous ceux qui n'ont pas de papiers. Je suis arrivé pour que désormais tu ne te caches plus et que tu aies des papiers normaux au nom de Jésus. Tous ceux qui me suivent, qui n'ont pas encore voyagé, connectez-vous à ce temps-là. Parce que je crois que depuis cet aéroport qui est un hôtel, vous recevez votre bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois par la grâce et la prière de la Tirtoukos de Saint-Michel, votre parrain, de notre nation mystique, il y aura beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Tirtoukos, mon mari, mon cœur, et j'en n'oublie pas, je vous rappelle les dates. 24 janvier au 31 janvier, pour prendre les portes de l'année, parce que janvier est la porte de l'année. Si nous avons pris janvier prophétiquement, nous avons pris la porte de l'année. Connectez-vous au maximum, likez ce moment-là. En direct de l'aéroport Wassy Charles de Gaulle à Paris, nous venons d'atterrir avec notre équipe pour finaliser les derniers préparatifs de ce Tirtoukos tour qui va comporter un moment de pèlerinage, qui va comporter donc le statut de ce moment qui est la retraite des Carignans, la retraite des esprits, quelque chose de formidable, de merveilleux, avec des consultations prophétiques, l'exorcisme de famille. Et je crois que monsieur, vous avez un rêve de témoigner. Vous venez avec moi, quelqu'un de malade. Vous venez avec moi, notre juriste à la maison qui va nous aider à peaufiner tous les derniers détails parce que nous attendons du monde. Même d'été, Marie-Joseph, si tu veux dire un mot à tous les internautes qui nous suivent par rapport à cette grande grande lutte sur Paris. Nous sommes là pour tout organiser, pour que vraiment la grâce. Pour sécuriser aussi, je veux dire. Oui, pour sécuriser, c'est l'organisation. Pour sécuriser dans les moindres détails, pour que rien ne vienne altérer notre moment fort et glorieux avec le Seigneur. Donc, là, avec la et on sait que vraiment Dieu va faire en sorte que tout se passe bien. Donc, nous venons d'arriver, faites passer le message. Je suis à Paris, nous allons aller prendre le véhicule qui nous attend et je vous retrouve tout à l'heure à l'hôtel. Pour un prochain direct, soyez connectés jusqu'à après le minute du fédéral ce soir en direct de Paris. Je crois que ce soir, mon Dieu, lui, je n'ai pas le fond de son besoin au nom de Jésus. Je vois avec ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. J'attends que vous puissiez réagir. Nous sommes arrivés à Paris, nous sommes à l'hôtel BNB. Et de là, je prie pour vous tous qui êtes connectés. Connectez-vous, partagez le message, dites que connais Justine Lachia, ma fille, soit bénie depuis Paris. Je bénis ta vie et je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être une commerçante internationale. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Partagez au maximum ce moment-là. Nous venons d'arriver tout juste de Paris. Là, nous avons regagné nos chers Marie-Jeanne. Daikoli, Aya Marguerite, Yorokon, soit béni, Flor, Corée, surtout tous ceux qui sont sur l'île de, qui sont sur la région parisienne, réagissez en même temps que vous êtes là ici. Fatima Kofi Daviel, mon petit ange, soit béni, Flor, Corée, tous ceux qui sont sur, sur Paris, sur l'Europe, réagissez en même temps les villes où vous êtes, et faites passer le message, partagez au maximum, je veux que ce soit, nous puissions attendre, atteindre 1000 vues simultanées. Dites que Abba, Chef Bakomari, a bel et bien foulé les pieds de la région parisienne. Ce n'est pas un leurre malgré le report de la retraite de 2018. Vous étiez des milliers, 3000 à vous inscrire. Je suis bel et bien à Paris pour finaliser toute l'organisation. Mais pour cette retraite, le nombre de personnes attendues est très, 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 très limité. Nous n'attendons pas plus de 600, 500 personnes, 700 personnes au grand maximum. C'est pourquoi il faut déjà amplifier vos
vos demandes pour vous inscrire. Nous sommes donc sur la région, sur Paris. Vous pourrez nous joindre pour tous ceux qui voudront déjà s'inscrire pour cette retraite. Pendant que je regarde un peu mon portable de la main, que je vous regarde en face, soyez bénis, réagissez en direct. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Abba, chez Paco Marie, depuis Paris, je vous bénis. Je vois tous ceux dont les noms s'affichent. Que la faveur de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, soit sur vous, soit avec vos familles. Que la grâce soit sur vous. Je veux essayer de voir un peu ceux qui réagissent un peu. Ok. Marie-Christine Domoreux. Maman Domoreux, je suis là. Hein? Donc, il faut que demain, tu ne peux pas pour nous envoyer à l'hôtel BNB. On te donnera les références tout à l'heure. Panda, sois béni. Tous ceux qui sont sur la région parisienne, il est bon que vous mettiez la zone où vous êtes, le quartier ou bien même la ville si vous êtes sur Paris. Tous ceux qui ont venu depuis la Suisse, depuis l'Allemagne, depuis l'Angleterre, depuis l'Italie, depuis la Belgique, réagissez aussi pour dire là où vous êtes. Et bien sûr, tous ceux qui nous ont écrit pour dire qu'ils venaient depuis le Canada, les États-Unis, que la grâce soit sur vous. Pourtant, nous serons au Canada, nous serons à Québec, nous serons à Ottawa en mai, et à New York et à Atlanta après, donc Ottawa, donc toujours dans le mois de mai. Rachel Cadio, Marie Pascal de Dieu, sois bénie. Ismaël, je vous attends, hein, que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous allons animer cette grande retraite qui va aussi faire ça, le cadre d'un grand concert qui va être la plateforme également de temps d'adoration, de temps de louange à notre Dieu. Si tu as manqué cette retraite, tu as mangé ton totem. Viens donc à cette retraite, ça sera quelque chose de fort. Réagissez, partagez au maximum. Réveillez tous ceux qui sont allés dormir. Dites-leur que c'est une bénédiction plongeante ce soir. Nous venons d'atterrir et je crois que Dieu veut répandre sa bénédiction sur quelqu'un. Et je vais annoncer à quelqu'un, à cause du vol que nous avons pris, tu ne marcheras plus, tu ne courras plus, tu vas t'envoler comme l'aigle. À cause de la faveur, de la bénédiction que je vais relâcher sur toi, sur ta famille, sur ton mariage, sur les choses auxquelles tu tiens, tu as dû voir les miracles, tu as dû voir les guérisons, tu as dû voir les vies transformées. Tu as pu assister à cette prière de la reine où cette jeune dame a rendu son témoignage après la prophétie. Tu as vu que la prophétie était suivie d'un accomplissement immédiatement. Même elle a eu son travail, elle a eu son contrat de travail signé, le salaire que nous avons dit. Et je bénis quelqu'un ce soir, Mamadou Konaté, soit béni. Bienvenue Thomas Akomi, soit béni Géraldine Péniel. Tous ceux qui sont dans la région parisienne, je veux que vous réagissiez. Réveillez tous ceux qui sont allés dormir sans se connecter à la prière de ce soir. Partagez au maximum parce que ce soir, cette première nuit que nous passons sera une nuit de prière et une nuit d'intercession. Marie-Jeanne Colli, sois bénie. Olivier Ngoran, que la grâce de Dieu soit sur toi. Elvige d'Abaï, Célestine Raymond, je ne sais pas si d'autres réagissent sur YouTube. Je ne sais pas si YouTube a également activé, mais la faveur de Dieu à votre héritage ce soir. Dites à vos frères, dites à vos parents, dites à vos amis que Abba, chez Paco Marie, est sur Paris pour cette grande retraite. Nous sommes venus pour nous assurer avec tout le personnel, avec notre avocate, avec nos chefs de production, avec mon assistante personnelle, pour être sûr que les choses se déroulent comme nous le voulons. Nous allons jouer en orchestre. Nous aurons donc une soutien de sécurité parce que c'est une grande retraite de délivrance et d'exorcisme. Et nous avons besoin de casser tous ces liens qui vous ont subi depuis l'Afrique, depuis la Martinique, depuis les Antilles, depuis tous ces lieux à partir desquels vous nous écrivez. Partagez au maximum ce moment-là. Je bénis des personnes. Je répands la grâce de Dieu. Rachel Cadio, Elvin, Saka, Madeleine, Kwaku, Antio, sois bénie ma fille. Monet Christine, épouse Oudro, Marie-Louise Lidjou, Marco Gay, tous ceux qui sont sur l'île de France, je veux que vous puissiez réagir pour me confirmer que vous êtes là, que vous êtes connectés. Tous ceux également qui sont dans la banlieue parisienne et qui sont même en France pourront également réagir. Que la grâce de Dieu soit votre héritage. Partagez au maximum pour dire que ce n'est pas ainsi, que ce sera la seule retraite de l'année. Parce que après nous aurons
bien sûr, le Canada, les États-Unis et une tournée africaine qui va nous prendre toute l'année. Et le Seigneur nous a mis à cœur de posséder les portes de l'année. Janvier étant la porte de l'année, nous croyons que dans toute vie, dans toute maison, même dans tout aéroport, prendre la porte, c'est prendre l'année. Prophétiquement, Samson l'a expérimenté, David l'a expérimenté, tous les saints de Dieu les ont expérimentés, et je crois que tu vas expérimenter quelque chose de nuit. N'oublie pas, du 24 au 31 janvier, Noisy-le-Sec, retraite, mon cas est urgent, mon mari, mon cas est urgent, retraite de délivrance, d'exorcisme, de brisement des liens de famille, de démolition des hôtels, de consommation et de destruction de tout ce qui est idole, de prophétie personnalisée, de localisation géospatiale prophétique, de guérison, de miracles créatifs. Vous avez pu voir ces éléments pour vous tous qui ne suivez pas notre ministère, qui venez de vous connecter. Allez sur notre chaîne YouTube, notre chaîne satellitaire également, Charis TV, tapez Charis TV, / Abab, Achiapakobari, et voyez tous ces miracles, voyez ces membres créatifs, voyez ces testicules qui apparaissent, voyez ces membres qui poussent, voyez ces cancers qui disparaissent, voyez ces personnes qui se lèvent des chaises roulantes pour marcher, voyez ce que Dieu fait, et nous sommes à Paris, vous n'aurez plus besoin d'avion pour nous trouver, nous sommes venus à votre rencontre, nous croyons que Dieu vous fera du bien. Donc partagez au maximum, likez ce moment-là, pour ne pas que les cyber spirituel, démoniaque, ces braqueurs de la toile viennent troubler notre quiétude, parce que je veux bénir quelqu'un ce soir qui va partager au moins ce moment dans 10 groupes, dans 10 groupes. Je regarde tous ceux qui sont prêts à partager dans 10 groupes. Je vous attends d'abord, il faut que nous puissions atteindre 1000 vues simultanées ce soir. Partagez au maximum, réveillez vos parents, réveillez vos tontons, envoyez-moi vos requêtes de prière, vos pétitions d'intercession, parce que dès ce soir, nous allons convoquer dans un tribunal céleste, dans une réunion prophétique, tous les anges de Dieu qui parrainent les paroisses de la région parisienne, qui parrainent toutes ces zones, tous les saints qui parrainent ces lieux. Nous allons demander à tous les bienheureux esprits, les âmes de purgatoire, de venir nous assister. Nous allons les invoquer pour prendre le contrôle de cette ville de Paris, afin que vous tous qui êtes ici, dont les esprits de famille vous ont suivi, vous tous qui subissiez donc encore ces attaques-là, tout ce qui a eu un début de votre vie aura une fin avec cette retraite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites passer le message 24 au 31, Noisy-le-Sec, retraite ouverte de délivrance. Donc vous pourrez donc joindre ce point partout, par le métro, par des bus, en train, etc. Pour vous tous qui venez de l'Europe, réservez dans vos hôtels. Là, je suis à l'hôtel B&B, un hôtel chic avec des personnes très charmantes que j'ai trouvées sur place ici. Et je vous recommande dans cet hôtel aussi, quoique ils n'ont pas fait de facilité, hein, je vous rassure. Donc, je ne suis pas seul, je suis avec ma juriste en chef, ma légaliste, maître Marie-Josiane Guettegoli, que je vais inviter à venir vous faire un petit coucou, maître. Nous étions donc à l'hôtel, elle va s'assurer qu'il n'y ait point de grabuge. Voilà, on va s'arrêter là, on va vous s'abaisser parce que, voilà, maître, c'est maître Guettegoli, Josiane, avocate tribunal d'Abidjan, à la cour d'appel d'Abidjan, une juriste expérimentée, une juriste qui dirige l'un des quartiers, bien sûr, son propre cabinet, l'un des cabinets les plus importants d'Abidjan, une juriste internationale qui gère des affaires internationales. C'est notre juriste, une servante de Dieu également, une ministre de la délivrance, une guerrière des prières, parce que nous savons que vos cas sont urgents, tellement urgents que nous ne pouvons pas faire l'erreur encore comme il y a 2 ans de venir sans nous assurer des garanties juridiques, sans prendre toutes les garanties. Donc même Guettegoli, tu veux peut-être dire un mot par rapport à cette retraite, rassurer les internautes, tous ceux qui nous suivent sur nos différentes pages, pour dire que nous sommes bel et bien à Paris, à l'hôtel B&B, à Noisy-le-Sec, à 500 mètres de ce lieu que nous allons aller prendre d'assaut ce soir ou bien demain matin prophétiquement pour attirer les anges supérieurs qui se peuvent changer ta vie. Beaucoup d'esprits t'ont suivi depuis le village, depuis le pays. Je priais pour cette dame qui me suit. Là, je me montre que tu viens du Cameroun et tu es ruiné. Vraiment, c'est le mot. Tu es ruiné, tu as vécu, tu viens de sortir d'une relation assez désastreuse et tu as besoin que Dieu te restaure. Tu viens du Cameroun.
Tu viens de sortir d'une relation désastreuse. Tu es presque, tu es totalement ruiné. Je veux que tu réagisses. Donne-moi tout ton nom. Si tu es sur Paris, viens, parce que Dieu va te faire du bien. Si tu es ailleurs aussi, viens. Et je crois que Dieu t'aime. Dieu veut te. Oui. Ismaël, tu as raison. C'est la jurisprudence voyante. Quand vous voyez ses yeux, vous savez qu'elle voit dans le spirituel. C'est une femme mystique. C'est une femme qui travaille beaucoup avec les anges, avec les esprits des âmes du purgatoire. Donc, nous savons que tout ce qui est légal sera sécurisé. Mais je te connais, tu veux dire peut-être un petit mot pour tous ceux qui nous suivent et puis les bénis. Enfin, c'est de rassurer qu'on a pris toutes les dispositions. La salle est déjà réservée, elle est déjà payée. Et la retraite du 24 au 26, c'est l'espace La Belle Sat Noisy de Sec, à deux pas même de notre hôtel. Et on prend les dispositions avec les sœurs ici pour recevoir toutes les inscriptions, de sorte que tous ceux qui seront là seront bien pris en charge. Donc vraiment, Dieu nous rejoindra, Dieu nous bénira et on verra de grandes choses encore. Alléluia. Fais une prière pour bénir quelqu'un qui nous suit. Père, je veux élever la voix et te bénir. Les brasés qui étaient les beaux, pour ce temps prophétique que tu as convoqué en ce lieu, Seigneur. Que chacune des personnes qui nous regardent, ceux qui s'hésitent encore, ceux que ta grâce a localisés, qui doivent être en ce lieu, que les anges les entourent. Que l'armée des anges Saint-Michel au début, Saint-Michel devant, partout, 2020, année du progrès illimité, progrès illimité, que chacun reçoive sa prophétie et que chacun rende ce progrès au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ma soeur, Dieu te bénisse, ma fille bien-aimée. Donc, elle est avec nous pour tout sécuriser. Réagissez en direct. Je vous ai dit que je vais faire une bénédiction spéciale, une bénédiction prophétique. Je crois que Dieu va s'attacher à toi. Nous croyons en Dieu, c'est quoi? Nous croyons au miracle. Donc, ceux qui ne croient pas au miracle, dites-le qu'ils se trompent. C'est quel Dieu qu'ils servent? Si c'est un Dieu religieux, si c'est un Dieu qui ne s'investit pas dans la situation des gens, si c'est un Dieu qui voit ses enfants mourir, c'est pas ce Dieu-là qui nous a séduit. J'étais avec Maître. À la fac, nous avons fini nos études de droit, nous avons fait des études supérieures. Si c'était ce Dieu des religieux, ça n'allait pas nous intéresser. Mais nous avons expérimenté ce Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu qui est proche de ses enfants, ce Dieu qui console ses enfants, ce Dieu qui apporte des solutions. Nous croyons en Dieu. C'est quoi? Nous croyons donc au miracle. Elle n'est pas seule. Je suis avec Kania, notre réalisatrice en chef qui est avec nous, notre responsable de tout ce qui est esthétique. Elle sera également animatrice de ces émissions que nous allons faire. Kania est là, elle est en train de voir un peu avec les techniciens, la salle, les choses qu'il faut. Je suis en train de noter aussi pour ceux qui ont partagé tout ça. Ah, pour ceux qui ont partagé, d'accord. Mais bien salut quand même, bien fait petit coucou ici, ma fille. Voilà, Kania est là. Vous la connaissez, cette... grande blogueuse, vous tous qui suivez ces marques de vêtements en ligne depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, pour toute forme de on va dire des tailles, non, ou bien des formes. Voilà, donc je vous exhorte à aller sur Kania Lifestyle. Elle fait ses émissions pour y voir tout sort de vêtements à la pointe. Vous n'avez pas besoin de chercher ces vêtements-là. Déjà, elle fera toutes les recherches pour vous. Elle vous conseillera selon votre forme, votre taille, selon votre teint. Selon votre charme, vous direz tout ça. Donc, Kania est là pour nous assister, elle a des compétences hors normes. Là, c'est elle qui a fait toutes les installations. Si vous me voyez bien, alors que je suis très noir, c'est Kania. Et elle a pu parler avec les responsables de l'hôtel. Donc, nous sommes dans le hall de l'hôtel, là, pour faire donc, ce direct à l'hôtel BNB que nous saluons. Et pour tous ceux qui voudront venir à cette retraite, nous vous recommandons donc cet hôtel. Petit hôtel assez chic. Où les gens sont très accueillants. Ce quartier est un quartier sûr, un quartier assez paisible. Là, il est minuit, mais nous voyons beaucoup de personnes se promener donc, dans les rues, beaucoup d'amoureux. C'est quoi? Je déclare sur ta vie un mariage tonitruant pendant ce mois de janvier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, on te célébrera. C'est l'année du plébiscite. C'est l'année où... celle qui avait pleuré en 2019 verra Dieu sécher ses larmes. Même si elle pleure, ce sera des larmes d'allégresse, des larmes de jubilation, des larmes d'extase, des larmes d'action de grâce. Tana, tu veux dire un mot pour tous ceux qui nous suivent? On vient d'arriver, très très fatigué, mais quand même, on a tenu depuis l'aéroport à les saluer. Ils t'écoutent.
Ben, je vous exhorte tous, tous ceux qui sont dans la région parisienne, à vous inscrire pour la retraite. C'est la première sortie de papa pour 2020. Il a dit 2020, année de progrès illimité. Et là, nous commençons fort. Nous sommes à peine le 14, que nous sommes déjà hors d'Afrique, hors de la Côte d'Ivoire. Donc, bien-aimé, il faudra te connecter à ce moment, que tu sois là ou pas. Mais prends toutes tes dispositions pour venir à Paris parce que quelque chose d'étrange va se passer pour toi. Les Brésil, il y aura forcément un changement positif dans ta vie. Parce que l'homme de Dieu a quitté Abidjan. Bien-aimé, nous sommes en janvier. Il nous enseignait sur les portes. Il faudra pas manquer ce moment. Dès que je suis on a atterri à l'aéroport, on a senti les anges venir prendre le contrôle. C'est tellement fort. Michel a bien pris le contrôle. Je crois que tu es prêt pour un miracle. Ne manque pas ce moment. Invite tous tes frères et sœurs qui sont à Paris ou dans les villes voisines, dans les pays voisins. Demande-leur de s'inscrire, de venir en masse. Parce que l'homme de Dieu, maintenant prêtre, Abba Achia Pacom Marie, a mis pied en France. Bien-aimé, ta vie doit changer. Il faut arrêter de te cacher. Il faut que tu puisses venir en Côte d'Ivoire, passer tes vacances et revenir. Sois fatigué d'être sans papier. Sois fatigué de dormir dans des endroits bizarres. Il faut que ta situation se régularise. Il faut que tu arrives à un autre niveau de ta vie. 2020 ne doit pas te laisser comme tu étais en 2019. Viens t'inscrire. Viens prendre ta part de bénédiction pour 2020. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors que vous veniez de la Suisse, de l'Angleterre, de l'Italie, que vous veniez de la Belgique, partout. Nous avons seulement 700 places. Vraiment, c'est pas Abidjan où on a 1000 places, on a 10 000 places, où on a nos installations. Ici, nous louons. Et à cause de l'assurance, nous ne pouvons pas prendre 701 personnes. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il n'y a pas assez de places. Beaucoup m'ont écrit. Vraiment, il nous faut en finir avec les comportements de 2019 où on attend la dernière minute, c'est maintenant. Parce que dès la 700 personnes, même si vous êtes un parent des membres de l'organisation, on ne pourra pas vous faire entrer pour vous asseoir sur le strap comme c'est que certains le demandent souvent à Abidjan. Donc nous sommes là, une traite unique. À la suite, les partenaires, tous ceux qui ont permis cette organisation, nous aurons des temps de prophétie personnalisée et des exorcismes de leur famille. Mais pour nous tous, si on fait cette retraite-là, c'est vraiment une retraite forte. Nous allons travailler. Le vendredi, beaucoup m'ont dit à cause des grèves, etc. Bon, on peut peut-être laisser passer le vendredi. Nous allons mener une intercession toute de 18h à 22h sur le lieu. Nous allons prier, nous allons marquer chaque siège avec l'huile prophétique. Nous allons déverser sur chaque siège les conduits. Nous allons dire des paroles étranges. Nous allons prier pour appeler les anges et la veille, nous aurons besoin donc se demander de toute la liste de tous ceux qui seront inscrits pour commencer à faire des incantations prophétiques, pour déclarer des paroles sur les vieux, commander à votre ange gardien d'être à ce rendez-vous forcément, de vous accompagner, de travailler avec nous pour que nous puissions dire les choses sur votre vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ces listes-là le vendredi et samedi, n'oubliez pas, de 9h à 21h et dimanche de 8h à 17h. Ça sera un temps non-stop, un temps de louange, d'adoration, un temps de bénédiction, un temps de faveur. Tout à l'heure, j'ai donné la parole par rapport à cette dame camerounaise. Tu es en Europe. Merci Kania, que Dieu te bénisse, ma fille. Tu es fatiguée, mais ça va aller. Tu es en Europe et tu es camerounaise. Tu es ruinée. Tu sors d'une relation qui t'a totalement décapité. Et je vais te donner cette parole d'espoir. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un temps de relèvement, un temps de restauration, un temps de bénédiction. Je vais également prier pour une sœur. L'ange me dit que tu t'appelles Élise. Élise, toi aussi tu es en Europe ici, tu es en Europe ici, Élise, tu es en Europe ici, Élise, tu es en Europe ici. Et tu vis également une solitude chronique, tes relations vont de reprise en reprise, de reprise en reprise, Élise. J'ai prié pour toi, tu es sans quelqu'un dans ta vie, tu es sans enfant et là tu as dépassé la quarantaine et tu es en train de déprimer. Élise, je prie pour toi pour que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie également pour une personne, je vois comme des lettres, comme Xavier, je vois un nom Xavier, je prie pour toi que la grâce, bonjour. Que la grâce soit sur ta vie, que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Ah, Florence Achia, on demande où tu es. Non, elle nous trouvera, elle a besoin de régler vos. Florence viendra
la semaine prochaine pour finaliser tout ça. Et je crois que la grâce de Dieu sera sur vous. Je vais prier pour quelqu'un qui est en direct, la faveur de Dieu. J'ai tant l'empreinte de Dieu. Pendant que tu vois les empreintes de ma main, pendant que tu vois les lignes de ma main, j'ai tant l'empreinte de Dieu sur ta vie. Que tu sois marqué dans tous les domaines de ta vie ce soir. Dans ton mariage, qu'il est l'empreinte de Dieu. Dans ton travail, qu'il est l'empreinte de Dieu. Dans ta santé, qu'il est l'empreinte de Dieu. Dans tous les aspects de ta vie, qu'il est l'empreinte de Dieu. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette bénédiction. Je commande que les portes sont ouvertes pour ton mariage, les portes sont ouvertes pour ton travail, les portes sont ouvertes pour ta santé, les portes sont ouvertes pour tes voyages, pour tes papiers, comme la servante de Dieu Kania l'a dit, les portes sont ouvertes pour toutes tes attentes. Les portes sont ouvertes pour une accélération de ta carrière. Les portes sont ouvertes pour une promotion. Les portes sont ouvertes parce que nous sommes dans l'année de l'archange Michel. L'année du progrès illimité. L'année où tu te comporteras comme un aigle. Jusque-là, tu as marché avec les hommes. Jusque-là, les autres ont pris de l'avance sur toi. Mais cette année, tu iras à voix d'oiseau pour reconquérir tes positions perdues. Je bénis vous tous qui êtes connectés. Que la main droite de Dieu, que la main de sa puissance se pose sur vous. Se pose sur vos familles. La dernière personne, c'est mon assistante personnelle, Madame Amand Josiane. Je vais vous dire un petit coucou. Josiane est là. Virginie est là. Josiane, Virginie est là. Elle va vous saluer, mon assistante personnelle. Elle est de tous les voyages. Elle va. Pour ceux qui ne savent pas, Josiane est une grande chanteuse. Hein? Josiane est comment on dit, soprano, non, c'est ça. Donc tu allais chanter quelque chose, un chant, mais en latin. Hein? Un chant de messe en latin. Écoutez ça, vous que vous écoutez ça, un ange vient de vous localiser. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus et benedictus. Alléluia, alléluia. Alors, Josiane fera également les chœurs d'Ismaël avec tous les musiciens d'Ismaël qui seront là au grand complet. Ça sera quelque chose de fort. Josiane, tu m'as arrivé peut-être très fatigué. Tu veux dire un mot, tu veux bénir quelqu'un. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont cette vidéo. Je bénis Dieu pour ce programme, pour toutes ces personnes qui ont crié à Dieu pour que Abba soit ici. Dieu a exaucé leur supplication. Et nous croyons que de grandes choses se feront. De grandes choses se feront. Alléluia. Alléluia. C'était Jésus à mon assistant personnel et personnalisé de classe exceptionnelle de grande âme. Que la grâce de Dieu soit sur vous. N'oubliez pas de partager le message à bas sur Paris. Mais pas de rendez-vous. Hein. Nous devons prendre, quand nous arrivons comme ça, pour tous ceux qui sont des prophètes, ils savent, le ministère prophétique, nous devons prendre les bons spirituels de la zone, nous devons visiter tous les lieux du culte, les paroisses, les temples, pour nous connecter aux anges qui parrainent ce lieu, nous devons faire certaines actions prophétiques, et c'est pourquoi nous allons prier pour vous. Demain à minuit, soyez connectés, comme à 6h ce matin, ça sera grave, ça sera fort, Dieu changera ta vie. C'était Abba Achepakomari. Depuis Paris, nous sommes arrivés avec une équipe de 3 personnes. Les 15 autres personnes viendront. Donc tout le monde est là. Je suis avec Maître Guettegoli, l'avocat, pour toutes les questions juridiques. Kania, pour tout ce qui est de l'esthétique, de la décoration intérieure. Et je suis avec Josiane, etc. Que Dieu vous bénisse avec ma bénédiction Abba Achepakomari depuis donc Paris où nous venons d'atterrir. Nous vous bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la Théotokos qui viendra et qui a demandé que nous venions pendant ce mois de janvier, on voit toutes les ressources dont vous avez besoin pour changer votre destinée. Votre vie commencera à partir de 2020. Année du progrès illimité.
Que Dieu vous bénisse. L'Église orthodoxe des rites orientaux du français d'Afrique, en collaboration avec l'ONG Betzel International, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des peuples, organise un temps spécial, 3 jours, pour posséder les portes de l'année. Premier jour, thème, prendre les portes financières de l'année. Vendredi 17 janvier 2020, de 19h à 22h, au centre d'excellence d'Angrée, près de la paroisse Saint-Ambroise-Maville. Deuxième jour, thème, briser les esprits démoniaques qui contrôlent les portes de l'année. Samedi 18 janvier 2020, de 17h à 20h, au centre d'excellence d'Angrée, près de la paroisse Saint-Ambroise-Maville. Troisième jour, thème, ouvrir toutes les portes de bénédiction de l'année. Le dimanche 19 janvier 2020, de 15h à 21h, à l'arrêt de la Liberté en Grégeste aussi. Prédicateur Abba Chiapakomari, prophète Happy Gable, 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Entrée gratuite. Des rites orientaux du français d'Afrique, en collaboration avec l'ONG Betzel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des peuples organise la tournée internationale Théotokos avec Abba Chiapakomari. Thème, mon cas est urgent, mon cas est urgent, mon cas est urgent, mon cas est urgent. Europe Paris, du 24 au 30 janvier 2020, espace Noisy-le-Sec, 14 rue de la Pointe, 93 130, Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, arrondissement de Bobigny. En bus, ligne 145 au départ des stations, église de Pantin et Raymond Queneau à Pantin, ligne 5 du métro. Ligne 105 au départ de la Porte des Lilas et de la ligne 11 du métro à la station Mairie des Lilas et du pavillon Sous-Bois. Ligne 301 au départ de la station Pablo Picasso à Bobigny. Ligne de métro 5 et ligne T1 et de la gare RER de Val-de-Fontenay, RERA. Ligne 322 au départ de la Mairie de Montreuil. Ligne 9 du métro et de la station Pablo Picasso à Bobigny. Ligne 5 du métro, ligne T1. Ligne 343, au départ de la gare RER, La Courneuve, Aubervilliers. Ligne B et de la gare RER, Rosny-sous-Bois. Ligne E. Prédicateur Abba Chiapakomari. Invités spéciaux, Monseigneur Charles-Marie et le chanteur Ismaël René Achia. Au programme, retrait des cas difficiles, du 24 au 26, consultation prophétique, du 27 au 29, exorcisme des familles, du 30 au 31. Infoline 01 31 51 06 02 11 97 07.